Oswald est mort! Oswald est mort! Pleurons celui qui devait devenir notre roi et qui était l'espoir de l'Espagne. Un autre roi perdu, Eivor. Arrête de noyer tes soucis dans l'hydromel. Qu'est-ce que je vais dire au Jarl Halfdan? J'ai encore échoué. Ces nuages chargés de désarroi ne résoudront rien, Finn. Il faut agir. Mais comment? Nous pouvons porter le combat chez ce qu'il reste du clan de Roued, avant qu'il ne contre-attaque. C'est facile à dire. Ces hommes sont retranchés à Burg Castle, une forteresse en bord de mer. Sur la côte? Alors il doit y avoir un port. Oui. Protégé par une porte en bon fer, tenue en place par des madriers. Difficile à enfoncer. Le bois, ça brûle. Il est vrai, mais comment faire pour l'atteindre? En entreposant de l'huile à la proue de ton navire, et en l'incendiant à la porte. Ils nous verront arriver, bien avant qu'on atteigne les murs. Levons un Fird, une troupe de paysans d'Est-Anglie. Envoyons-les faire diversion à la porte principale. Des Saxons prêts à mourir pour des Danois. Cela tient du rêve. Cela peut marcher, Finr, s'ils se battent pour Oswald. Ils n'auront pas besoin d'autres motifs. Vous, là, vous savez ce qu'a fait Oswald? Ouais, bien sûr. Il a traîné ce diable danois de Roued jusqu'aux entrailles de l'enfer. Roued a disparu, mais son clan maltraite toujours l'Est-Anglie. Viendrez-vous avec nous chasser ces chiens de votre royaume? Oswald? Oui, sans hésiter. Deux Saxons vengeurs, c'est loin de constituer un Fird. Mais tu as peut-être raison, cela peut marcher. Je peux aller à Elmenham et rallier ce qu'il reste des forces d'Oswald. Qui d'autre se joindrait à nous? Winston, le magistrat de Théoford. Il n'est pas ce qu'on appelle un joyeux drill, mais il se battra jusqu'à la mort pour ses terres. On peut établir un campement dans les ruines qui sont au nord de Burg Castle. Accompagne-moi, Finn. Allons voir ce magistrat. Si nous avons de la chance, Roued n'aura pas mis à sac Théoford. La chance est une denrée rare en ce royaume. Peut-être, oui. Mais je préfère m'accrocher à quelque chose, plutôt que de chevaucher les mains vides. Si le clan de Roued continue à s'en prendre impunément à ce royaume, les habitants d'Est-Anglie seront aussi piteux que cette terre. Et regarde-nous, abattre les marais afin d'implorer l'aide d'une bande de paysans apeurés. Oui, mais afin qu'ils combattent pour le roi que tu leur as donné, Finn. Ne l'oublie pas. Ma tâche était de leur trouver un roi, pas de le protéger contre tous les périls qu'il aurait à affronter. Oswald n'était pas encore couronné, ni marié. À mes yeux, ta tâche n'était pas encore achevée. D'accord, d'accord. Inutile de me rappeler à tous mes manquements. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Théoford, là, devant. De la fumée et des cendres. Les hommes de Roued sont passés par ici. Méfie-toi. Il reste peut-être des hommes de Roued. Il n'y a pas le moment de gaspiller ce que nous offre le Seigneur. Mais écoute, papa, l'homme est si beau, il n'y aura plus rien de toi. Nous n'avons plus rien, magistrat. Rien du tout. Calme, mon ami, nous allons rebâtir. Il ne manque pas de culot pour te montrer ici. Ce sont les tiens qui ont fait ça. Ton ennemi, c'est le clan de Roued, pas moi. Je viens au nom de feu Oswald d'Elmenham. Tu n'en restes pas moins, Danois.
Et c'est votre présence qui a entraîné la mort d'Oswald et plongé notre royaume dans la ruine. Oswald était un ami et un allié, magistrat. Nous avons combattu côte à côte. Et regarde où ça l'a mené. Si l'on ne triomphe pas du clan de Roued, l'Estangli tombera. Combat à mes côtés contre lui, pour Oswald et pour les tiens. De belles paroles, Danois. Mais les gens de Théophore dans leur propre combat. Si jamais tu as besoin d'une hache, je suis là. Il y a à l'est un village appelé Kingsbury. Les hommes de Rouet s'en sont emparés il y a 2 semaines. Je tiens absolument à le reprendre. Laisse-moi m'en occuper avec mes hommes. Économise tes forces et rejoins-nous pour les combats à venir. C'est honorable. Si tu tiens parole, les piques de Théophore se joindront à toi. Je vais porter cette nouvelle à notre campement, Eivor. Viens dès que tu le pourras. Je te retrouverai là-bas. Au sommet de l'église de Kingsbury se trouve une grande corne. Si tu réussis, souffle dans cette corne, et nous saurons que tu as tenu ta promesse. Calme, mon ami, nous allons rebâtir. Toi, le Danois, j'aimerais te parler. Tu as vu ma mère? Ah, mon pauvre. Ta mère, quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Avant l'arrivée des méchants. Elle a dit qu'elle allait revenir. Kingsbury, où grouillent les hommes de Rouen. On attaquera à vue par ici. Thank you.
Un coup de main par ici. Magistrat est venu se joindre à moi. Espérons qu'il tiendra parole. La corne ! Oh, cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas entendu ! J'ai respecté ma promesse, magistrat. J'espère que tu en feras autant. Oui, je tiendrai parole. Théophord combattra à tes côtés face au clan de Roued. Et grâce à ton aide, nous pourrons encore sauver l'Estanglie. Autrefois, cette corne servait à rassembler les Firdes dans toute la contrée. D'autres, peut-être, répondront aussi à son appel. Bien. Si tu trouves des hommes prêts à combattre, envoie-les aux ruines, au nord de Burg Castle. Huh!
flotte des frères, assemblée et prête. Cette corne a sonné à une âme. Valdis a dû intervenir là-bas. Peut-on vraiment faire cela? Nous ne sommes que des paysans et des marchands. Aie foi, mon frère. Mon navire ne va enfin reprendre du service. J'en avais assez qu'ils prennent la poussière. Nos navires sont robustes, et les murs de Burg sont solides. Eivor, la nouvelle de tes actions à Théophord s'est répandue comme un feu de brousse. Des hommes arrivent de toute l'Est-Anglie, et nos navires sont prêts. Le magistrat de Théophord est avec nous. Ces hommes seront bientôt là. Ils ne seront pas les seuls. La corne de Kingsbury a réveillé les hommes de tout le royaume. Nous aurons l'armée qu'il nous faut. Il semble qu'Oswald ait réussi en fin de compte. Saxons et Danois sont unis pour une cause commune. Dommage qu'Oswald ne soit pas là pour le voir. Nos forces seront bientôt prêtes. Es-tu prêt à lancer l'assaut ? Je le suis. Notre objectif est Burg Castle, que l'on dit inexpugnable. Bien. Ainsi l'ennemi sera moins vigilant. Sous le couvert de la nuit, Valdis mènera le Fyrd à la Grand Porte. Cela distraira les hommes de Roued, et nos forces rejoindront la porte maritime sur les eaux noires. Et une fois à l'intérieur, nous ouvrirons tous les accès au château. Il faut empêcher les hommes de Roued de se retrancher davantage. Ton navire, est-il prêt ? Il attend son moment de gloire. Il faut que tu leur parles, Eivor. Oswald n'était pas homme à rechigner lorsque vous aviez besoin de lui. C'était un homme généreux, juste et fort. Un homme qui a donné sa vie à son clan. Rendez-lui cet honneur. En sa mémoire, battez-vous avec autant de courage que lui! Pour Oswald! L'heure est venue. Aujourd'hui, nous allons débarrasser à jamais l'Est-Anglie du clan de Roued. Tu te souviens du rêve dont je t'ai parlé ? Tu rejoignais le Helheim à bord d'un navire en feu. Peut-être une réalité aujourd'hui. Les rêves, la vie, sont-ils une seule et même chose après tout ? Au galop, je cours à la ruine et à la fin du monde. Tenez-vous prêts. Les chiens de Roued vont nous voir venir. Soyez prêts à brandir vos boucliers!
Tenez-vous! Attention au choc! Tenez bon! Maintenant!
Oswald, il est en vie. Oswald est en vie. Oh, c'est bien toi. Ferme-la, Égine de Roseau. Tiens bon, tout sera bientôt terminé. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu dois empêcher. Silence, Sharon. Alors nous y voilà, amis des loups. Deux Danois qui s'affrontent pour un fils de chienne de Saxon. Si tu veux ce pourceau, tu devras venir le chercher. Merci. Tu te commets avec ces bons à rien, ces Vera, et en échange de quoi? D'un lopin de terre et d'une promesse de paix? Eivor, non! Il doit être jugé devant Dieu, une assemblée légitime. Mon règne ne commencera pas en versant plus de sang que nécessaire. Un autre affront flagrant. Pour les méfaits qu'il a commis, cet homme doit mourir. Les anciennes lois sont claires. Ce sont les terres d'Oswald, où il doit régner comme il l'entend. Eivor s'incline devant les rois. Défier un roi, c'est l'humilier. S'il perd son honneur, l'Estangli ne pourra guérir. Et ton honneur, Eivor, jusqu'où consens-tu à le sacrifier? Le roi légitime d'Estanglie t'a fait grâce aujourd'hui.
qu'il en soit ainsi. La compassion est une vertu qui sied à chacun, Eivor, toi y compris. Merci. Merci de m'avoir écouté, Eivor. Je connais la valeur d'un tel geste. Tout ceci ressemble à un rêve. Sauf que tu ne dors pas. Vous vous êtes bien battus, tous les deux. Tu es là aussi, mon vieil ami. Si j'avais su que tu étais encore en vie, je serais resté à Norwich. Regarde autour de toi. La joie règne et nous avons triomphé. Et bientôt, un grand événement aura lieu. Nos épousailles, mon amour. Enfin, si tu veux toujours de moi. Pourquoi te rejetterais-je ? J'ai mal combattu. J'ai laissé l'ardeur et la colère de cette brute avoir raison de moi. Et je... Assez, Oswald. Tu t'es battu. De tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne demandais rien de plus. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses à préparer. Une femme à épouser et un royaume à diriger, certains seraient prêts à tout pour ça. Et beaucoup sont morts pour l'obtenir. Et toi, Finn, cela te rend-il envieux ? Certes non. J'ai le cœur ardent, mais les os fatigués. J'aspire seulement à une bonne sieste. J'ai vu un tas de foin un peu plus loin. Plus tard, Eivor. Pour l'instant, je dois prendre soin des blessés. Alors nous nous reverrons au mariage. Oui, et j'y compte bien. On va retourner à Elmanham. Mariage d'Oswald dépend bientôt.
payer pour tes péchés. Les préparatifs du mariage battent leur plein. Merci. Puisse cette fête augurer de l'avenir de l'Est Anglie. Eivor, je suis heureux que tu aies pu venir. Ça te ressemble bien de faire attendre un roi à son mariage. Mais j'ai fini par arriver. Je craignais que tu ne viennes pas. Je t'ai dit que je te ferais couronner, et ce moment est arrivé. Sans toi, je serais mort. Un autre espoir envolé pour l'Est Anglie. Tu as l'air en forme, Oswald. Comme un homme prêt à épouser une femme plus puissante. C'est vrai. Pourtant, mes nerfs sont pas vifs. De toutes les batailles qu'un homme doit mener, la plus difficile est la guerre contre lui-même. Je vous déclare maintenant mari et femme, et à ce titre, je vous nomme... Oswald Delmenham, premier du nom, roi légitime d'Est Anglie, et sa dame Valdis, âme, poing et beauté de ses terres. Réussi, intendant. Désormais, un roi occupe le trône d'Est Anglie. Ne t'exclus pas de ce champ. Nous y sommes parvenus ensemble. Tu peux retrouver tes rêves, de feu et du Helheim. J'ai perdu mon chemin il y a quelque temps. Difficile de dire quand. Ça m'a toujours déplu d'être ici. C'était le rêve de Halfdan. Il m'a ordonné de l'accomplir. Dans mes rêves, je navigue. Tu te souviens? Le vent dans ma barbe, le sel sur mes lèvres. J'aimerais retrouver cette vie. Seul le temps dira si j'y vais.
Buvons et oublions nos souffrances. Eivor, ami des loups, admire mes peaux. Ils sont solides. Impossible de les briser à cette distance. Je ne crois pas, Brotir. Mes flèches brisent tout ce qu'elles touchent. Après avoir bu autant d'hydromel, si tu réussis, je t'offre une récompense. Garde les yeux ouverts assez longtemps pour m'admirer, Outrabière. La sauterie du salut, mis à genoux le grand Webb pour laisser Oswald le juger. J'ai eu du mal à le croire, moi aussi. Hé ! C'est ça ! Comme pour tout le reste, une tâche facile pour l'ami des loups. Ah, c'était plutôt facile. Impressionnant, vraiment. Tiens, comme promis, maintenant profite de la fête. Skål, Eivor, buvons. Ton poing manque de bière. On va arranger ça. Il doit falloir un sacré courage pour boire avant le nouveau roi. Un courage qui ressemble au nôtre. À Odin et à ses gloires éternelles. Et au nouveau roi d'Est-Anglie. Puisse son règne être long et juste. Pas mal, ami des loups. Je parie que tu es incapable de boire plus que moi. C'est le pari d'un fou. Mais ça reste un défi. Qu'en dis-tu? Je vais te faire rouler sous la table. Tu ne manques pas d'assurance. Voyons ce que tu vaux face au prince de la bière d'Est-Anglie. Et intéressons la chose. Nous allons parier un peu d'argent. Qu'en dis-tu? J'accepte. On y est forte, Brother. Mais je suis plus fort. Tu feras mieux la prochaine fois, ami des loups. Tu me dois de l'argent. Tiens, prends. Regardez, Finn est sur le toit. Le sanglier est symbole de fertilité. Tu le savais? Tout comme Freyr. Où veux-tu en venir? Tu m'impressionnes, Eivor. Ta compétence au combat, ta force de caractère. Tu as tellement de talent. Pourtant, je me demande si je pourrais t'impressionner avec l'un des miens. Même un fou a quelque chose à enseigner, qu'il en ait conscience ou non. Ouais, ouais. Mais je pourrais te montrer comment se manie ton épée de la boue.
Reprends une corne d'hydromel, Brodeur. Il paraît qu'on le fait avec du trèfle et de la framboise. Tu as entendu ce que... Oui, il est bon. Continue à en boire. Attends, tu as entendu? Est-ce que mon frère vient de m'appeler? Je crois que... je ferais mieux d'y aller. Protire! Regardez, Finn est sur le toit. Ce n'est pas par là qu'on accède au Valhalla. Ça fait un moment qu'il est là-haut. Eivor, Eivor! Du bon vin pour un bon chien! Viens te joindre à moi! C'est bien ici, non? En hauteur! Qu'il vit le dieu des Saxons! Parce que moi, je l'ai pas vu! On dit qu'il se complaît dans le mystère. Regarde! La lune, elle a l'air paisible. Mais un jour, un loup géant la dévorera et les nuits seront à jamais noires. Tu es sûr que ça va? J'ai de nouveau goûté à la gloire. Et ça m'a plu. Ravi de l'entendre, mais... J'ai toujours eu l'impression d'être Skull ou Hati à poursuivre et tâcher de réaliser les désirs de Halfdan. Mais j'ai enfin attrapé mon soleil et ma lune. Et je... je ne sais pas. Relâche-les. Pars pour un autre rivage. Mon navire est au Valhalla. Tu l'as oublié? Allumeur de brasier. Allez, il est temps de redescendre. Oh, ce que ça tourne. Tu es très fort. Et toi, tu es imposant. Ah, pardon, Eivor. J'ai connu une dernière gloire. Je devrais être heureux. Et je suis heureux. Merci. Ce n'est peut-être pas la dernière. Pas la dernière. Bon, assez joué comme ça. Faut que j'aille voir comment va Oswald. Eivor, je vais m'adresser à mes invités, et j'aimerais le faire en ta présence. Ça a été une très agréable cérémonie. Et tu t'es suffisamment amusé? Je suis prêt à t'écouter parler à ton royaume. Bien, viens alors, rejoins-moi. Chers amis et invités, nous avons connu des temps difficiles. Nous avons l'impression de n'avoir goûté qu'au malheur et la souffrance. Mais ce n'est pas le conflit qui nous unit. C'est la compassion. Puissions-nous toujours faire preuve de compassion, même lorsque nos ennemis la rejettent. Alors, à mes amis et voisins danois, j'adresse mes remerciements pour leur courage durant notre lutte commune. Et à mes frères chrétiens, puissions-nous continuer à incarner l'exemple de la grâce du Seigneur, telle des lumières dans la nuit. J'ai devant les yeux l'avenir de l'Estanglie. Il est en ce moment même en chacun de vous, danois comme saxon. Alors, à notre avenir! Il reste un peu mou côté un sou, mais ce roi... Et à Eivor, sans qui rien de tout ceci n'aurait été possible. Au nom de l'Estanglie, que cet anneau témoigne de notre loyauté envers le clan du Grand Corbeau et tout ce qu'il a accompli pour nous en ce jour. Aurais-tu quelques paroles sages à nous dire? Oswald, tu n'aurais pas été mon premier choix pour le trône, ni même le second. Je te trouvais faible, versatile et mollasson. Mais certains hommes ne se révèlent pas au premier regard. J'ai ensuite découvert qu'Oswald avait un cœur comme on n'en voit que peu. Il est solide. Il est sage. Et il est brave. Il a toutes les qualités que l'on attend d'un roi.
Il est le roi que mérite l'Estanglie. Et le roi qu'il vous faut. Au bon roi, Oswald. À Oswald. Skål. 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 Très bien, la course nuptiale va commencer. Rappelez-vous que vous devez tous laisser gagner les nouveaux époux. Tenez-vous prêts. La course nuptiale va commencer. Le roi et sa promise contre tous. Au roi. Les moutons à qui tu avais confié ma garde ont fini tondus. Oswald, roi des fouteurs de moutons, montre-toi! Je te défie. Et je l'accepte. Pas de carré, seulement la sueur et le sang. Il est blessé, mais n'abaisse pas ta garde pour autant. Qu'on en finisse! Je vais te tuer, Saxon, et prendre tout ce qui t'appartient. Doit-il se montrer clément envers quelqu'un de si malveillant, si cruel ? Je ne t'offrirai pas la satisfaction d'une belle mort, car mon dieu condamne la cruauté. Par conséquent, je te déclare banni à compter de ce jour. Tu as gagné. Ma vie t'appartient. Elle appartient à Dieu. Et maintenant, pars ! Quitte mon royaume et ne reviens jamais. Je ne comprends rien à la religion des Saxons. Oswald est comme une pièce. Sur une face, la pitié. Sur l'autre, le courage. Les gens comme lui sont rares. Fussent-ils Saxons ou Danois. Quel spectacle étonnant. Courage et retenue vont rarement de pair. Après tous ces événements, tout le chaos semé par Roued, Oswald a quand même trouvé une raison de l'épargner. C'est bien étrange, oui. Et remarquable ! De quelle source intérieure puise-t-il une telle bonté ? J'aimerais le savoir. Puisque j'ai accompli ma tâche, je choisis désormais l'Estanglie. Je combattrai pour toi, mon roi. Debout, mon vieil ami. Te voir ainsi me gêne. Porte-toi bien, Finn. Tu as fait un choix audacieux. Tu ne cesses de me surprendre, Oswald Elmenham. Merci, Ivor. Lors de notre rencontre, je t'ai fait un serment. Je t'ai promis une alliance. En effet. Tu l'as. Jusqu'à mon dernier souffle. Au revoir, roi. Que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. C'est le mât. C'est où, le où ?
peut pas encore naviguer à la voile. Ce vent devrait remplir la voile. Hissez la voile. Sacré ! J'ai envie d'une chanson. Silence, maintenant. Chantez, les corbeaux. Gardons ça pour plus tard. Allez, une chanson. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Une chanson maintenant. Dark is the shadow thrown, and disorder of the land dethroned. Lands tremble as they go down, stubborn monarchs that uncrowned. Fiercely eyed and flaming pride, merciless men are forced to strive. The fire in heart of the warrior fall, redden the roads. Mal ici! À vos bras! The king's guard struck. Arrêtez le navire! On continuera.
saletés de chaque... Rowan, Holger, pourquoi tous ces cris? Eivor, Tyr soit loué. J'ai entendu crier. Quelque chose ne va pas? Holger m'a volé, et j'exige qu'il soit puni. Ha! Voler est un bien grand mot. Le cerf vole-t-il le ruisseau quand il s'abreuve? La vache vole-t-elle le pré quand elle mange de l'herbe? Eivor, cette affaire réclame un jugement sensé. Acceptes-tu de... Bien entendu. Commencez par le début, s'il vous plaît. Eh bien, je vois que tout prétexte est bon. Rien ne t'arrête pour convoiter ce siège, n'est-ce pas? En l'absence de Sigurd, qui est le mieux placé pour s'occuper de telles disputes? Tu pourrais les laisser régler cela entre eux, mais par conséquent, tu renoncerais alors au pouvoir. Bon, reprenez. Dites-moi ce qui s'est passé. C'est moi qui commence. Sachez que j'ai été accusé à tort par ce philistin de Saxon. Philé quoi? Ça serait pas une insulte, ça? Silence, par pitié. Je vais entendre les deux points de vue et rendre une décision qui accordera une compensation si besoin. C'est compris? Rowan, donne-moi ta version des événements. Bon, eh bien, comme tu le sais, Holger est mon voisin, ce qui fait que je le surprends souvent dans mon écurie à voler mes beaux outils. Emprunter. Holger, laisse-le parler. Voler et emprunter. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai toujours laissé se servir dans mes affaires personnelles. J'ai une grande admiration pour la générosité des gens du Nord, et je fais de mon mieux pour l'égaler. Mais ce matin, Holger est allé beaucoup trop loin. Alors que je venais à l'étable pour nourrir mes chevaux, j'ai trouvé ma plus belle et fière jument amputée, amputée de sa queue. Plus de crainte, plus rien. J'ai honte de dire que mes soupçons naturels se sont portés sur Holger. Mais j'avais raison. Car de l'autre côté de l'allée, je l'ai vu, maniant un pinceau en crin de cheval trempé dans de l'indigo, à le passer nonchalamment sur... Je peignais, Rowan. La peinture. À t'entendre, on dirait un crime. Tiens, voilà cette arrogance-là. Est-ce que c'est nécessaire? Bon, la queue de mon cheval ne va pas repousser toute seule. J'exige aujourd'hui réparation. J'ai tout compris. Merci, Rowan. Holger, je t'écoute. Eivor, tu me connais en tant que Skald depuis des années. Tu sais que mes poèmes apportent aux gens la vie, la joie et la sagesse. Et tu sais que mon travail réclame une certaine, disons, liberté d'utiliser des ressources rares afin de composer mes vers. Souvent, par manque d'outils adaptés, je fais usage d'objets inédits. Le bâton de marche d'Alvis, les ancres de Tové, tous fournis avec plaisir. Tu as coupé la queue de ma jument pour en faire un pinceau aux bougres de taré. Rowan. Comme je le disais, ce matin, alors que j'étais en pleine rêverie poétique, j'ai réalisé que ma dernière œuvre exigeait un travail délicat au pinceau. Je n'aurais pu utiliser un bâton, un bout de tissu ou mes mains. Il fallait donc quelque chose de plus doux, de plus souple. Et pour fabriquer le pinceau idéal, j'avais donc besoin des crins d'un bon cheval. Et c'est ainsi que j'ai puisé dans la ressource locale. Tu as coupé la queue d'Alvifu au ras de sa croupe sans rien me demander! Il était tôt. Je ne voulais pas te réveiller. Merci, Holger. Je pense avoir compris ta position. Je pense en avoir entendu assez, si vous voulez bien. Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Alfgifu repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez. Avant de rendre mon verdict, j'aimerais entendre de nouveau vos déclarations. Je pense en avoir entendu assez, si vous voulez bien... Ma jument ne ressemble plus à rien, Eivor. Elle est aussi laide que le cul d'un porc. Tu dois faire quelque chose. Ne confonds pas atour et beauté, Rowan. Elle demeure splendide, et les crins d'Alfgifu repousseront très vite. Silence, tous les deux. Écoutez.
Holger, Rowan est manifestement dans son droit. Tu as coupé la queue de sa jument sans lui avoir demandé la permission. J'ai seulement emprunté cette queue. Emprunté ! La repousse ne fait-elle pas de cet acte un crime sans victime ? Il y a deux victimes. Le mal n'est pas irréparable, mais tu as agi sans autorisation, ce qui n'est pas tolérable. La valeur de cette jument ayant considérablement diminué, tu verseras à Rowan son prix sur le marché. Mais cette jument n'était pas en vente ! Rowan, dis-le ! Ma décision est sans appel, Holger. Paie ce que tu dois, et redevenez amis dès demain. Donc si je le fais, je garde la jument ? Paie-le et qu'on n'en parle plus. Rowan, est-ce que tu es satisfait ? Je le suis. Merci, Eivor. Bien. Alors avec la bénédiction de Tyr, cette affaire est réglée. Nous en avons fini. Retournez paisiblement chez vous. M'autoriseras-tu à te payer avec une œuvre peinte ? Après tout, tu as à ta manière sa création. Alors ça, certainement pas. Je n'accepterai de toi que de l'argent.